Yo tout le monde, c'est Fintech, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Comme d'habitude, si t'es nouveau ou nouvelle, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et de lâcher un petit pouce bleu. Et bien sûr, le plus important, c'est de tous mettre mon code créateur FintechSBE dans la boutique Fortnite, ça me fait juste super plaisir. Merci à toutes les personnes qui penseront à faire cela dans la boutique Fortnite et bien sûr, bonne vidéo. Mais juste avant de commencer la vidéo, comme tu peux le voir, j'offre tes cadeaux à des abonnés. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, bah pour cela c'est vraiment hyper simple. Première chose, tu t'abonnes à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu likes cette vidéo. Et bien sûr, il va falloir mettre ton pseudo Epic Games dans l'espace commentaire. Je te souhaite une bonne chance, allez, bonne vidéo. Eh bien, salut tout le monde, c'est Fintech, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, j'ai vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre et à la miniature de la vidéo, aujourd'hui, on se retrouve encore une fois sur Fortnite Battle Royale. Mais comme d'habitude, juste avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. Je vous invite aussi à lâcher un petit pouce bleu. Et bien sûr, le plus important, c'est de vous rendre dans la boutique d'objets et de faire soutenir un créateur et de tous rentrer le code créateur FintechSBE dans la boutique Fortnite. En majuscule et en minuscule, c'est la même chose et vous acceptez. Cela me fait vraiment super plaisir. Comme vous avez vu, aujourd'hui on va simplement essayer un tout nouveau glitch sur Fortnite Battle Royale pour obtenir le tout nouveau pack, le Black Meadow Neigeuse. Du coup, on va simplement découvrir le pack, ce qui contient à l'intérieur. Alors, le pack qui contient quoi à l'intérieur? Alors, on a simplement, première fois, on a le skin, fait partie de l'ensemble le 702. Alors, dites-moi ce que vous en pensez du skin dans l'espace commentaire. Pour ma part, le skin, je trouve assez stylé. Voilà, il est vraiment stylé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez du skin dans l'espace commentaire. Alors du coup, on a son accessoire de dos, la lueur de Windows. Alors ici, on a les outils de collecte, le crotte de Windows. Et aussi, on a son planeur. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez du planeur. Pour un peu, je trouve assez stylé. Voilà, il fait vraiment partie de l'ensemble avec le skin. Du coup, aujourd'hui, on va essayer un tout nouveau glitch sur Fortnite Battle Royale. Alors, simplement, première étape du glitch, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre dans la boutique d'objets. Là, vous allez faire soutenir le créateur. Là, vous allez rentrer le code créateur FintechSBE dans la boutique Fortnite. Bien sûr, c'est pas obligé. Après, là, vous allez aller vous rendre dans vos paramètres. Une fois rendu dans vos paramètres, dans quête d'opinion. Alors, c'est toujours la même chose. Vous allez vous mettre sur oui. Là, vous allez faire le bouton retour. Là, vous allez cliquer sur l'icône de V-Bucks. Là, vous allez cliquer sur l'achat de 2800 V-Bucks. Là, vous allez faire le bouton acheter. Il y aura le moyen de paiement de votre plateforme. Vous avez juste à revenir. Une fois revenu, vous avez juste à encore recliquer sur le pack. Une fois recliqué sur le pack, vous allez cliquer plusieurs fois sur le skin. Après avoir cliqué plusieurs fois sur le skin, ce que vous allez faire, là, vous allez revenir. Là, vous allez monter tout en haut. Vous allez retourner au lobby. Vous allez faire signalement et retour. Là, vous allez faire signaler un bug. Vous allez descendre tout en bas. Boutique, casier ou salon. Vous allez descendre encore en bas. Des récompenses que j'ai obtenues n'apparaissent pas. Là, vous allez faire continuer et accepter. Envoi du signalement. Là, vous allez faire le bouton fermé. Vous allez encore cliquer une fois sur l'achat de 2800 V-Bucks. Là, vous allez faire acheter. En fait, le but du jeu, c'est de faire croire à Epic Games comme quoi vous avez acheté 2800 V-Bucks mais qui ne sont pas encore vendus. Alors après, ce que vous allez faire, là, vous allez faire choisir le mode de jeu. Vous allez attendre la connexion. Là, vous allez faire le bouton Battle Royale. Pour les joueurs Switch, ce que vous devez faire, vous devez juste quitter le jeu et le relancer. Une fois venu là, vous devez cliquer sur votre casier. Là, vous allez cliquer sur un skin. Et là, vous allez vous mettre sur 0 skin. Et simplement, vous allez avoir aucun skin. Vous allez avoir le skin Bambi. Là, vous allez descendre sur le skin Black Window. Et là, vous allez simplement cliquer plusieurs fois encore une fois. Après avoir fait ça, ce que vous allez faire, vous allez retourner au lobby. Là, vous allez voir que vous allez avoir le skin Ramirez ou un autre skin, un skin Bambi quoi. Là, vous allez faire signalement et retour. Vous allez faire signaler un bug. Boutique casier au salon. Les V-Bucks que j'ai acheté n'apparaissent pas. Voilà. Vous allez faire continuer et accepter, c'est super important. On voit du signalement. Là, vous allez faire le bouton fermé. Là, vous allez faire écrire ici un unlock. Patch. Du coup là vous devez simplement écrire la même chose que moi. Là vous allez faire envoyer. Vous devez être dans un canal pour envoyer ce message. Vous devez cliquer ici dans vos paramètres. Là vous devez revenir et il y aura simplement votre message qui va apparaître. Ce que vous allez faire après, vous allez revenir dans les V-Bucks.
vous allez cliquer sur l'achat de 13 500 V-Bucks. Là, vous allez juste faire acheter, vous allez revenir. Il y aura toujours votre message qui sera là. Là, vous allez, ce que vous allez faire, vous allez cliquer ici sur l'onglet nouveau. Là, vous allez cliquer sur le pack. Vous allez faire découvrir le pack. Là, vous allez descendre tout en bas, obtenir des V-Bucks. Vous allez revenir encore une fois, soutenir un créateur, accepter. Vous allez cliquer dans vos paramètres. Quelle opinion vous allez vous mettre sur nom, vous allez appliquer. Là, vous aurez juste à faire dans choisir le mode de jeu. Du coup, c'est pour ça que je vous demande vraiment de bien faire le glitch dessus du début jusqu'à la fin, puisqu'il y a beaucoup de personnes. Et voilà les potes, on vient simplement d'obtenir le tout nouveau pack Blank Window gratuitement sur Fortnite Battle Royale, en espérant vraiment que cette vidéo glitch vous aura plu. Je vous invite à tous vous abonner. Et bien sûr, c'était Fatex. Allez, ciao tout le monde.